Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo tuto dans laquelle je vais vous expliquer comment imprimer un objet avec des couleurs différentes mais sur un même plan. Autrement dit, des couleurs différentes sur une même couche. Alors je vais utiliser pour ça un petit porte-clés que j'ai designé. Alors là on ne voit pas grand-chose pour l'instant. Je vais vous expliquer la suite après. Donc, on va d'abord aller dans les paramètres. Ici, dans Printer Setting, vous allez monter le nombre d'extrudeurs à 2 parce que je vais utiliser deux couleurs pour ce porte-clés. Ensuite, dans Custom G-Code, ici, dans Tool Change, vous allez écrire la commande M600. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il va changer d'extrudeur, extrudeur virtuel, puisque nous on va n'utiliser qu'un seul extrudeur, il va proposer le changement de filament. On va maintenant assigner des couleurs à chacun des extrudeurs. L'extrudeur 1, pardon, la couleur jaune par exemple, ok. Et à l'extrudeur 2, on va donner la couleur noire. Ok. On peut revenir sur notre plateau. Il ne se passe toujours rien pour l'instant. En fait, ce qu'on va faire pour cet objet, on va cliquer dessus. Pour l'instant, je passe ma souris, il ne se passe rien. Et je vais faire split. Voilà, on voit déjà que ça a changé quand je passe ma souris dessus. On peut voir deux formes d'objets. Cet objet en fait contient deux composants imbriqués l'un dans l'autre. Et maintenant, je vais pouvoir assigner à cet objet dans la commande Settings l'extrudeur qui correspond à la couleur que je veux. Donc cette partie, je la veux en jaune. Donc on avait dit que le jaune c'était l'extrudeur 1. Ok. Et l'autre partie, celle-là, je clique dessus, je vais dans Settings. Cette fois-ci, je vais sélectionner l'extrudeur 2. On voit bien ici, voilà l'objet qui correspond avec la forme en creux. Ok. Donc, il ne me reste plus qu'à faire Preview. Et voilà ce que va me donner mon objet une fois imprimé. Et on constate qu'ici les paramètres ont changé. Donc on remarque qu'on a modifié ici la version originale de Printer. Donc on pourra revenir ici, enregistrer si on veut, par exemple sous deux couleurs. On change le nom, deux couleurs. Ok. On y revient. Et voilà, on sait que la prochaine fois, on aura notre configuration enregistrée ici. On a aussi quelque chose qui a changé ici, on a deux filaments, donc je vais tout imprimer en PLA. Donc je mets Prusa PLA. Prusa PLA, et vous remarquerez que mes couleurs jaune et noire sont répercutées ici. On va maintenant observer ce qui va se passer lors de l'impression. Donc je reviens sur le premier layer, la première couche. On voit bien que sur la première couche 0,2, on aura la couleur jaune et la couleur noire qui seront sur le même plan. Ensuite, à la couche suivante, il se passe la même chose puisque j'ai voulu deux couches pour avoir une bonne impression de couleur. Et après, par contre, ça se terminera tout en noir. Voilà. Il nous reste plus qu'à exporter le G-code normalement et puis le lancer sur votre imprimante. Voilà. Alors le début de l'impression est identique au color print standard. Donc là j'ai chargé mon filament jaune et il y a mon noir qui est prêt derrière. Donc on va attendre qu'il atteigne sa température. Je vais vous montrer, ben, ça va commencer de manière standard. Voilà, il nous imprime donc la forme jaune. Là, il est pratiquement à la fin et il va faire le changement automatique parce que j'ai demandé dans le slicer un changement d'extrudeur, donc un changement de couleur.
dès que cette forme est terminée. Voilà. Alors, je vous montre juste ce qu'il a fait pour l'instant. Voilà, la première forme. Ok. Donc là, je vais mettre mon filament noir. Bon, bah ça, c'est comme le color print standard. Voilà, je viens de terminer le changement pour le filament noir. Donc là, il imprime la partie en noir. Vous voyez ici, on est bien sur une même couche avec deux couleurs différentes. Donc, le jaune a été imprimé, là il a imprimé le noir. Toujours, on est toujours sur la première couche. Je ne sais pas si on voit vraiment là. Donc voilà, la première couche, le noir et le jaune. Voilà, l'impression vient de se terminer. Alors, jusqu'ici, rien d'exceptionnel, puisqu'on ne voit rien du tout, bien sûr. Il est la face intéressante à observer, c'est la face qui est contre le plateau. Voilà. Et là, on voit bien que tout est sur la même couche. Voilà, on voit un petit peu mieux ici. Donc, comme je vous disais, une seule et même couche pour avoir deux couleurs. D'ailleurs, sur le flanc, on voit bien qu'il y a une seule couleur. Voilà. Par exemple, comparé à celui-ci, où on voit bien que ce sont des superpositions de couches de couleurs. D'ailleurs, quand on regarde sur la tranche, on voit bien qu'on a une couche superposée. Donc voilà deux exemples, deux manières de faire des impressions couleurs. Donc là, on a une belle finition lissée sur toute la surface, puisque c'était la surface qui était contre le plateau. D'accord ? Avec le mélange de couleurs. Et ici, on a une finition en volume, avec des superpositions, ça dépend ce qu'on recherche. Si on veut du relief, par exemple, pour les formes, on peut utiliser cette technique. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires ou à poser des questions si vous avez des problèmes. À bientôt. Au revoir.